Ce réaménagement de la cour, donc, qui participe à un développement global sur le projet de Pôle Enfance, donc, a été travaillé de concert avec l'ensemble des acteurs, hein, sous la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, les parents, les enfants, les enseignants, les services techniques, de manière vraiment à réfléchir sur ce réaménagement avec des matériaux sobres, peu coûteux, écologiques. Donc il y a eu un travail avec évidemment un cabinet de paysagistes qui a été fort de conseils, à l'écoute de nos besoins. On a profité d'un travail collégial de projet de conception intégré avec où tout le monde était pris à partie pour co-construire les réflexions et les éléments de programme. Les enjeux étaient simples, c'était de faire une cour avec une visibilité facile sur la surveillance des enfants, conserver, mettre en valeur le végétal existant, les chênes qui sont là, le noisetier, enfin voilà, les arbres de la cour. Et puis, là, dans nos propositions, d'avoir un maximum de confort d'usage dans les cours, avec une offre de différents sols, sablés, enrobés, copeaux, voilà, pour favoriser le plaisir du jeu dans ces cours. On conserve le vivant en place et ensuite on donne beaucoup plus de place à ce vivant là où on aurait l'habitude de faire un enrobé bien propre, où on parle justement du propre et non pas du vivant. On laisse de la place à la perméabilité des sols, on laisse de la place à d'autres plantes qui peuvent être sujettes à la cueillette, il y a de la menthe, il y a des framboisiers, des groseilliers qui peuvent faire l'objet de cueillettes même dans la cour de récréation. Le coût de ces aménagements, on est autour de 30 euros du mètre carré fini, donc ce qui est relativement peu coûteux au regard du fait qu'on a choisi justement des matériaux aussi plus écologiques. Tous les enfants jouent ensemble, ils apprécient vraiment cet espace de convivialité. Les enseignants aussi, ils trouvent que c'est plus calme finalement. Il y a une plus grande diversité de jeux, un espace aussi qui est beaucoup plus grand. Par rapport à ce qu'il y avait avant, on a plus que doublé la surface, avec à peu près le même nombre d'enfants finalement. Et ça a vraiment contribué à apaiser, à rendre finalement les espaces de récréation comme étant ressourçants pour ensuite revenir vers des enseignements.